À l'aval du pont Flaubert, dans ce village sur les quais de l'Armada, rive droite, la colère gronde. 22 commerçants installés dans un cul-de-sac ont le moral dans les chaussettes. Ils survivent depuis une semaine au milieu d'un no man's land. Ils sont mal placés et à l'écart du flux des visiteurs. Armada Restauration. Alors, on a payé au départ 5 900 € TTC pour cet emplacement qui fait 24 mètres carrés. On a eu un accord avec la direction de la manifestation qui nous a fait cadeau de la moitié de nos emplacements. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, vu que personne ne passe et que rien n'est fait pour arranger la situation, un remboursement total. Notre manque à gagner est énorme puisqu'on pensait faire 3 000 à 4 000 € par jour. Et là, nous sommes rendus à faire 100 à 200 € par jour. Faute de passage. La société Normandie événement chargée d'attribuer les stands a remboursé aux commerçants 50% du prix de l'emplacement. Moi, j'assume quelque part à un moment une implantation qui est peut-être pas optimisée pour l'ensemble des commerçants. Donc je prends ma part à 50%. En revanche, eux, en tant que professionnels de l'exposition, ils prennent aussi à leur charge 50% du risque qu'ils ont pris. Pour l'heure, 3 commerçants ont préféré plier bagages.